j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends pour me créer des souvenirs, pour créer quelque chose. Il ne se reproduira pas deux fois parce qu'il y a toujours une première fois à tout. Aujourd'hui, je vous emmène faire quelque chose que vous allez découvrir et je pense à mon avis que j'aurais mis dans le titre. Donc, je vais vous le dire, je vais aller faire mon premier tatouage. Ça fait 10 mois que je pense à me faire tatouer mon tout premier tatouage en lien avec Cadix, en lien avec l'année que j'ai vécue ici, en lien avec mon Erasmus. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 17h30 et du coup, c'est le moment d'aller le faire. Et c'est parti. Bon, du coup, normalement, si je me trompe pas, je sens que mon tatouage va être ici. Donc j'ai mis un bas de maillot exprès et je veux visualiser le tatouage plus ou moins là. Je sais pas, je le visualise là dans ma tête, mais j'hésite, soit je le fais en dessous du bas de maillot, donc on ne le voit pas et c'est que pour moi, soit je le fais un peu en dessous pour que ça soit quand même un peu dans le bronzage. C'est stratégique. Bon bref, on va voir. Je suis en route avec mes deux acolytes ici derrière qui sont en train de filmer les petites perruches. Elles sont d'ailleurs trop kiki, les petites perruches vertes qui sont en train de manger. Elles sont trop mignonnes. D'habitude, il y en a qu'au parquet Genovese, mais j'avoue qu'elles viennent rarement à la Plaza España. Mais elles sont... Sérieux? J'en ai vu. Bref, on va aller prendre le bus. Le bus est dans 10 minutes, on fait le tour de la place. Et ça va être le grand moment. Je suis un peu stressée. Mais ça va le faire, ça va le faire. Mais c'est trop mignon. Ici, c'est kiki. You said maybe we should talk less. It's more than art at all. I'm not saying I don't. Hier, il y a Amélia qui a été se faire tatouer chez la même tatoueuse et qui a fait le tatouage fleur que sa grand-mère, l'ombre, MDR. Attends, faut que tu penches ton bras vers là-bas. Voilà. Mais sa grand-mère lui a dessiné, oui, du coup elle se l'est fait tatouer. Et mon tatouage va être un peu en référence avec des traits très très fins comme ça. C'est trop mignon. J'aime trop. Things are going good. I played some shows, I read a book, and saw the dog we liked across the street. Random thoughts, three in the morning. Je suis en train de signer. Bon, je suis dégoûtée parce qu'on n'a pas pu rentrer avec moi. Mais maintenant c'est le moment du reveal avec beaucoup de vent. Je vais leur montrer mon tatouage et on va voir leur réaction. Vas-y, toi tu fais d'abord la première. Chacun la première? Ok. Mets-toi derrière moi. Ok, dans la première réaction d'Amélia. T'es prête? Oh non, c'est trop beau! Oh non, c'est tout fin, franchement, c'est exactement ce que tu voulais. Oui, c'est tout ce que je voulais. Non, c'est incroyablement fin, c'est... d'ailleurs. C'est ouf. C'est magnifique. Oh, c'est beau, je pense que c'est beau. Ah, franchement, en plus, c'était un putain de trop. C'est trop beau, moi j'ai trop aimé. Je perds ma voix, je perds complètement ma voix. Ok, t'es prête? Ouais, ouais. Ah! Ah, mais c'est bien dit! T'as des numéros, c'est un code barre. Non, c'est beau, mais tu fais ça. Oh, c'est pas grave, je m'en fous. Je suis en maillot. Putain, on dirait vraiment un truc super bien fait. Il est super fin, j'adore. C'est waouh. Même sur le W là, on dirait un truc tué d'ordinateur qui a été collé sur ça. Oui. Oui. On a fait. Qui a été collé sur ta jambe tellement il est avec mon bouton. Mais genre, c'était beau quand je voyais comme ça. Mais dans le miroir, t'avais l'impression qu'il y avait un truc, tu sais, qui dérange, qui était ouais, pas beau. C'était pas, c'était et du pas coup, elle m'a dit, place. Oui, voilà. Du coup, j'ai dit non, ça va pas. Et déjà, en fait, elle avait imprimé avec une écriture. Très ordinateur comme nous on écrit. Ouais. Je voulais plus quelque chose de personnel. Alors on a commencé à faire toutes les écritures et on en a choisi 4. Enfin 4 que j'ai bien aimé. Et en fait finalement j'ai pris l'écriture la plus fine, la plus espacée et j'ai pris le truc le plus petit, la plus petite taille qu'elle m'a fait. Et trop. Non, maintenant, vous la réaction de tes parents. Ah oui, et même tous les autres. Mais oui, mais personne ne le sait. Vous savez que personne ne le sait à part eux. On était les seuls au courant de tout le monde. On était les seuls dans la confidence depuis longtemps. Personne de tous les amis de Cadix le sait. Même mes amis de Belgique, à part Sanya qui est venue, ne sait. Personne ne sait. Personne n'était au courant. Ça fait 3 semaines. Ouais. 3 semaines quasiment, voire même un mois que j'ai le secret. Je suis en mode. En plus, hier, tout le monde parlait de tatouage. Tout le monde disait ah oui, je suis en mode ok, personne ne sait. C'est moi, pas moi. C'est vraiment comme je l'ai fait hier, du coup, pas forcément tout le monde. Oui, parce que je sais qu'elle voulait aller chez la même tatoueuse. Et du coup j'ai fait
oh mais il y a gna 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 gna. Et puis c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord. Et voilà. Mais je veux faire le reveal à la maison. Je vais faire le reveal à la maison. Ça va? Oui. Tu m'entends? Faut que je te montre un truc. Regarde. T'as fait un tatouage? Oui. Ça va? Oui, mais j'avais pas te dire oui. C'était pas comique. T'as vu ce que c'était ou pas? T'as vu ce que c'était ou pas? Attends, t'envoies une photo. Oui, c'est trop mignon, c'est tout petit, c'est fin, c'est discret. Voilà, je fais officiellement partie des groupes où les gens ont tatouage. Ça va? Oui, toi? Oui, faut que je te montre un truc. Tu dois montrer un truc? Oui. Ah, tu t'es fait tatouer? Non. Tu dois montrer, tu peux montrer sur un banc. Tu veux voir? Ouais. Ouais. Oui. T'as vu? Oui, mais je sais pas. Voilà. Ça va, ça fait mal? Bah un peu, mais ça va. En vrai, ça va. J'ai eu mal à certains petits points, genre. C'était spécial. J'ai pas eu mal pour le tatouage, mais j'ai eu mal genre un point. Je vais comme ça. Mais ça passait vite. Mais en fait, vu qu'elle fait des traits super fins, elle repasse deux fois. Et c'est la deuxième fois où ça a fait beaucoup plus mal. Ça a duré. C'est bon, c'est bien. Ça a duré une heure et plus d'une heure. Hein? Oui. Il voulait lui demander de nous conduire à l'aéroport. Et nous, on lui a demandé, donc on lui a cassé son cou. C'est ça? Non. Non, j'ai une photo qu'elle te dit. Vous êtes prêts? Je vous montre. Ouais, allez, vas-y, montre. Oh non. Oh non, ça bug. Vous avez pas vu? Ben, on a vu des chiffres, mais... C'est quoi? C'est l'enfer, ça. C'est quoi? Un tatouage. C'est quoi? Ce sont... Tu t'es tatoué ça? Oui. Tu l'aimes bien, ça. Mais c'est... Non, mais c'est un choix réfléchi. La vérité, Varo, je suis vraiment vexée parce que tout le monde m'a dit qu'il était super joli. Thomas a bien aimé. Tout le monde a bien aimé. Il n'y a que vous, déjà. C'est parce que je... Il est juste en dessous, il est tout petit, tu ne le verras jamais. T'as fait ça quand? Samedi. T'as pas dû mettre de la pommade, toi, tu te jures, non? Si, j'ai de la pommade que je dois mettre tout le temps. Et tu peux pas mettre ton sourire, non? Non. Et lui dit qu'il n'est pas joué dans le tatouage. Tu veux que je raccroche, maman? Non, elle m'en plus. Et bah alors, qu'est-ce qu'on doit dire pour pas que je raccroche? Parce que... Nous petit boule. Bon, vous avez vu la réaction de mes proches, du moins une partie. Et maintenant, c'est peut-être l'heure du reveal, non? Je vous ai pas encore montré à quoi il ressemblait, je vous ai rien montré. Vous avez entendu les gens le voir, mais vous avez rien vu, donc je crois que c'est le moment de vous le montrer. Je vais essayer de vous montrer, j'ai encore le plastique, je l'ai pas encore retiré. Mais j'ai une photo sans plastique que je vous montrerai, c'est la tatoueuse qui l'a fait. Donc sur mon corps, le tatouage, hop là, vous bougez un peu mais je bouge en même temps. Le tatouage se trouve ici, là, en dessous du maillot, en fait. Je vais vous montrer. Je ne sais pas faire autrement pour vous montrer. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ce sont les coordonnées géographiques. Enfin, géographiques. De la ville de Cadix. Voilà à quoi ça ressemble. De toute façon, je vous mets une photo. Ça sera plus facile à voir. Comme vous pouvez voir aussi, je me suis mis en pyjama parce que, ben voilà, la journée est terminée. Mais je tenais quand même à vous montrer mon tatouage parce que c'est mon tout premier. C'est pas sur ma liste d'en faire d'autres. J'ai quand même mis 9 mois à trouver ce que j'allais faire. Pour moi, c'est symbolique parce qu'en fait, ce tatouage, ça me montre que ça existait. Ça me montre que ça pointe un lieu dans le monde, mais que ce lieu-là, c'est pas juste un endroit. Cet endroit, il y a toute ma vie d'Erasmus, il y a toute la vie que j'ai créée, il y a tout ce qui s'est passé pendant tant de mois. Ça me rappellera toute ma vie, tout ce que j'ai vécu ici. Et c'est même très bizarre de faire ça dans mon appart parce que j'y suis encore. Et je me vois déjà revoir ça avec les larmes aux yeux en me disant que c'était incroyable. Et si vous avez un jour l'occasion de partir en Erasmus, faites-le. Je crois sincèrement que c'est la plus belle expérience qu'on peut vous offrir. Moi, à l'âge à laquelle vous partez, mais ça m'a permis de grandir sur tous les points. Et pour moi, c'était assez important de le marquer. Je suis passée par plein d'idées différentes. Et en fait, j'ai vu un tatouage de géolocalisation.
situation sur le bras de quelqu'un. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais dans ma tête, tout a semblé une évidence. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est ça que je dois faire. C'est ce tatouage-là. Et je n'ai plus jamais changé d'avis. Pendant 9 mois, j'ai changé d'avis. J'ai regardé des images, j'ai pensé. Et à partir du moment où je l'ai vu, ça m'a semblé logique. Derrière ça, il peut se passer tellement de choses. Et en même temps, c'est pas un tatouage écrit, c'est pas un tatouage. Là-bas, j'avais pensé au soleil. C'est pas un truc. Bah. Zik, on va dire ça comme ça. J'ai chaud, il fait très chaud les gars. Ouh là là, l'été. Et il faut le savoir. Ça a une signification, ça a une explication, ça a une histoire, ça a tellement de termes. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo qui n'est pas une vidéo incroyable, mais ça marquera jamais mon premier tatouage. Et le journal de Noémie, c'est ça. C'est le début d'un nouveau chapitre. C'est le chapitre de ma vie. Et là, c'est le chapitre de mon premier tatouage. Moi, je vous aime très très fort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao !